Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale est en pleine possession des affaires à la Chambre basse du Parlement. Ceci est la suite logique de cette brève cérémonie de remise et reprise intervenue entre Christophe Mbosoko Diapwanga et Boniface Balamagenkolo, deuxième vice-président sortant de l'Assemblée nationale. Tous les détails techniques, administratifs et financiers ont été réglés par leurs collaborateurs respectifs. Désormais, plus rien ne lie l'ancien bureau à l'actuel et le travail parlementaire peut donc se poursuivre pour le bien du peuple de la République démocratique du Congo. Pour rappel, des pétitions individuelles contre les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont été examinées par la plénière souveraine dans le respect du règlement intérieur. Une longue plénière qui a conduit au vote dont les résultats ont clairement exprimé le retrait de confiance au bureau de la majorité par des députés nationaux. La session ordinaire s'est clôturée sans que ce passage de témoins n'ait lieu. Il est ainsi urgent que cette cérémonie se tienne rapidement avant que soit ouverte la session extraordinaire pour l'élection du nouveau bureau.